c'est clair. Je vais me mettre ici. C'est pas facile. C'est bon. Bonjour, bon matin. Bon matin. Je vais vous parler de comment vous allez. Vous allez bien? Ouais. Bon, je vous en parle. L'affaire des 600 professionnels de la santé. Ouais. Kadi Edwige, comment va? Le café est bon. Micheline Adjan, comment ça va, ma chère? Vous allez bien? Bon matin à tous. Est-ce que j'ai bien joué? Ça, c'est le numéro que je mets pour les vivre. Bon, j'ai commencé à conduire un peu. Donc, je peux comme livrer ce week-end-là sur recommandation du médecin. Donc, je respecte les consignes du médecin. Je vous mets le numéro. Je vous mets deux numéros. Bon, vous connaissez l'autre numéro, hein? Ça, c'est le numéro des vives que je vous mets. Voilà. Là où il n'y a pas un devant, là, c'est pour ceux du Canada. Maintenant, quand il y a un, c'est pour les autres affaires. Vous comprenez? Vivre. Commandez vos vives, je vais venir vous livrer. Ce week-end-là, ici à Montréal. Habitant de Gatineau, je sais que j'ai une grosse commande pour vous. Mais je vais vous livrer ça le mois prochain. Quand tous les vives vont arriver, il y aura du poisson. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. Donc, quand tout va arriver là, je vais faire une grosse commande et puis je vais descendre sur Gatineau. C'est pour ça que, bon, ce que vous avez commandé, je ne pouvais pas venir parce que le poisson manquait. Vous comprenez? Voilà. Comment vous allez? Bon, je vais donner des informations, je crois qu'une dernière fois, sur cette affaire des 600 professionnels de la santé demandé par le gouvernement du Québec. Ouais. J'ai compris que les affaires d'immigration, il faut toujours répéter, mais c'est pas grave, là. 91-21-705. C'est ça. Bon matin. Voilà, ça, c'est le numéro pour les vives. Vous qui voulez commander les vives, si vous voulez, voilà. Merci, je suis connecte. Mes amis, comment vous allez? Bon, c'est pas un long direct là. Suzanne Bridge Dorego, comment va? Biba Kersab, ça va bien? Merci. Moi aussi, vous m'avez manqué. C'était pas facile, hein, je vous le dis. C'était pas facile. Mais quand tu es entouré d'une personne qui est forte dans la tête là. Ouais, j'étais au bord de la déprime quasiment. Ça, je vous dis mes impactés. J'étais au bord de la déprime quand je suis rentrée. Parce que c'était douloureux, ça faisait mal. J'ai dit, oh, qui m'a envoyé, oh, qui m'a envoyé. Vous connaissez nous les femmes, non? Quand ça commence là, c'est après de qui m'a envoyé. Donc, le monsieur a dit, non, faut pas pleurer. Pourquoi qui m'a envoyé? Tu avais besoin de ça pour être bien dans ta peau. C'est pas que tu as un problème d'estime de soi. J'étais connue, ça fait 20 ans. Tu n'as pas besoin d'estime de soi. Mais j'avais juste besoin de ça pour être bien. Et c'est quand on maigrit et puis la peau tombe là, ça, c'est joli à voir. C'est pas joli, donc tu avais besoin de ça. Faut pas pleurer. Donc là où je suis, ça va. Mon moral était à zéro. J'étais mal. Quand je suis revenue, j'étais vraiment comme dit Kala, j'étais mal. Mais ça va. Mes impactés, je vais bien. Vous savez que je suis maman en Canada. Maintenant, je ne peux pas parler sans parler de mes produits. Donc, le numéro que j'ai mis ici, ça, c'est pour vous qui voulez commander vos produits ce week-end à Montréal. À Montréal, vraiment, dans un périmètre un peu chose. Parce que les Notre-Dame de grâce, hein, ma chérie, je vais te rappeler. Parce que j'ai essayé de vérifier avec le GPS là. Il y a trop de travaux là-bas. Je vais aller doucement. Le médecin a dit d'aller doucement dans la conduite. Vous savez que moi, j'aime conduire. Donc, c'était très difficile pour moi. Merci beaucoup. Biba Kersa, merci. Je vous ai dit que j'ai du cul magie. Je ne sais plus si c'est magique réveil ou bien quoi. Magie quoi. Ça, c'est étoile. J'en ai. Étoile là.
Je vous ai dit, dans les magasins, ça coûte 15 dollars le paquet. Je vous fais ça à 12 dollars. Donc, si vous commandez là, je vous envoie. Ça, c'est le câble, 1 dollar la tige. Les escargots de ça, 18 dollars. 18 dollars, les escargots. Ensuite, plat là, feuille gluante. Vous commandez seulement ce week-end là, je viens vous livrer. Je prends la journée de demain samedi pour venir vous livrer. J'ai déjà deux commandes à Montréal. Donc, si j'en ai plus là, ça va me faire du bien. Je vais descendre là-bas. Voilà, c'est ça, les feuilles de l'aloe, les feuilles gluantes. 3 dollars. Voilà ça, le l'aloe. 3 dollars. Et puis ça, c'est la graine pilée. Graine pilée sans les noix, avec la pulpe. Il vous en faut deux pour faire quand même une sauce intéressante dans la maison. Avec un peu de djunglé dedans, ou bien sans djunglé. Ça, c'est le placali. Quand vous voyez cette marque-là, c'est Monica Z Market. Officielle maintenant. Tout est OK. Je reçois plus de... Oui, ça arrive, je ne sais pas pourquoi. Facebook nous gère maintenant, hein. Vous savez que c'est Facebook qui décide. Le pain arrive au Canada. Oui, je n'ai pas fait la promotion du pain ces temps-ci, mais quand j'étais en voyage, j'ai vu que le pain aussi continuait de s'acheter. Merci pour ceux qui ont compris cette cause-là. Le pain pour l'œuvre que je compte faire pour les bébés. Je ne sais pas quand est-ce que j'arrive à Abidjan, mais dans tous les cas... Le jour que j'arrive à Abidjan, j'ai prévu quelque chose pour les enfants. Donc, merci. Pour vous qui avez regardé cette cause-là, merci aussi. Pour vous qui avez déjà cousu le pain, maman, je n'ai pas le temps. Mais impacté, vous avez cousu le pain. Vous m'avez envoyé, oui. Ma petite soeur, Madame Cissé, j'ai vu que tu as acheté le pain pour toi, pour maman. Elle a cousu, elle m'a envoyé. Mon fils aussi, Alex, Abidjan. J'ai reçu beaucoup de vidéos déjà. Dans mon WhatsApp, pour vous qui avez cousu le pain, merci beaucoup. Je vous suis infiniment gré. Merci. Le pain est très beau. Vous l'avez tous apprécié. Merci. Donc, c'est ça. C'est ça, en quelque sorte, les premières informations. Je viens vous parler des 600 professionnels de la santé. Il m'est revenu dans les courriels. Je vous ai dit, je commençais à lire vos messages. Désolé, je pars du bas pour remonter. C'est ce qui fait que vous qui m'avez envoyé les messages hier ou avant hier, là, je n'ai pas encore lu ça. Alors. Donc, j'ai vu que le problème du contrat revenait dans les questions que vous me posiez. L'impacteuse, j'ai appelé Madame Tan ou bien j'ai appelé ton collaborateur. Et il dit qu'ils n'ont pas de contrat. Mais je l'ai dit. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas une question de contrat. Selon ce que j'ai dit, je suis obligée de répéter cette information-là. Eh, hey, mon frère, depuis cette île, il dit l'impacteuse très, très fortune, mais j'ai mal. Oui, mon frère, c'est vrai, je te gère mal ces temps-ci, mais c'est une question de temps. C'est pas exprès. On va se trouver du temps, on va se parler. Je te claque plein de bisous ce matin depuis là où tu es là-bas. Donc, partagez le direct parce que c'est un direct informatif quand même. Les informations de l'immigration... Je peux en répéter autant que faire se peut. Je peux répéter tout le temps, ça ne me dérange pas. Donc, vous m'êtes revenu comme ça que oui, l'impacteuse, j'ai appelé, comment on appelle ça? Il dit qu'il n'a pas de contrat ou bien la dame Abidjan a dit que ce n'est pas une question de contrat. Mais oui, je l'ai dit, ce n'est pas une question de contrat, mes amis. Les contrats, selon ce que je vous ai dit, si quand vous embarquez dedans et que c'est 600 professionnels, c'est 600 professionnels qu'on demande. Donc, quand vous embarquez dedans, l'avantage que peut-être vous avez avec nous, quand on vous embarquez dedans et que vous êtes dans l'attente qu'on a des contrats, bien évidemment, on va vous informer parce que vous êtes déjà dans le portail, vous attendez. Et puis, généralement, nos contrats, c'est emploi général. Donc, ça veut dire que si tu es déjà dans le contrat, si tu es déjà en train d'attendre qu'on a des contrats, on va te faire la proposition. C'est ce que je vous ai dit. Donc, je n'ai jamais dit que c'était une affaire de contrat. En ce moment, on n'a pas de contrat partout, c'est ce que je vous ai dit. Donc, si vous venez vous inscrire pour une affaire de contrat, non, il faut dissocier les choses, ce n'est pas question de contrat. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Les affaires de contrat, c'est des employeurs. C'est comme moi, je suis employeur, donc j'ai besoin d'employés. Et puis, je fais mes trucs avec le gouvernement et puis maintenant, on affiche mon poste. Michou, Ayonia, comment va? Donc, comme je vous ai dit, pour afficher les postes que vous voyez pour les contrats, tout et tout, c'est plein de démarches derrière. C'est pas facile, les affaires du contrat de travail, hein? Ah oui, oui, les contrats de travail, ça court pas les rues. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, l'affaire des 600 professionnels de la santé. C'est le gouvernement du Québec. Parce que, vous savez, pour immigrer, quand on immigre au Canada, attends, je vais mettre celui-là sur silencieux, il commence à me taper sur les nerfs là. Quand on immigre au Canada, généralement, le diplôme qu'on demande, je dis que dans l'affaire de l'immigration, le côté qui demande moins de diplômes, même si on veut voir, c'est le Québec. Le Québec lui demande le bac. Voilà, le bac là, notre bac du pays là, généralement c'est ce que le Québec demande. Donc, quand le Québec lui demande ça, tu vois, mais l'entrée express là, c'est l'affaire des licences, l'entrée express c'est la crème des crèmes. Cependant, il y a des emplois qu'on demande ici au Québec. Tu peux rentrer ici avec des contrats de travail. Par exemple, si tu es couturier, exemple, moi j'ai une fabrique de couture et puis j'ai besoin d'un employé. Vous comprenez? Je peux ne pas exiger des diplômes. C'est pour ça que souvent vous entendez dans certaines vidéos, on vous dit non, on peut immigrer au Canada sans diplôme. Mais il y en a combien? Sinon, la base du gouvernement du Québec, c'est le bac qu'on demande dans tout ce qu'on fait. Mais quand on vient ici, même là, le travail qu'on fait là, je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent depuis le début, le travail qu'on nous demande les bacs, les licences. Mais quand on arrive ici là, c'est pas travail de. Le diplôme même qu'on demande, c'est pas quelque chose. C'est les affaires de secondaire 5. Wendy me disait même pouvoir préposer maintenant, on dit c'est secondaire 3 ou bien secondaire 4. Secondaire 4. J'ai dit, ah, maintenant c'est passé à ça. Mais les exigences qu'ils nous demandent depuis là-bas, c'est affaire de bac. Donc, quand je fais un poste et puis je mets les exigences, c'est pas l'impacteuse qui dit ça. Ah oui, c'est pas l'impacteuse. J'ai même le truc ici. Je vais encore réafficher parce que j'ai affiché ça sur ma page. Mais vous êtes venu pour me demander l'impacteuse. Quelles sont les conditions? Pourtant, tout est sur ma page. Voyez-vous? Voilà. Voilà le truc que j'ai. Attends, je vais diminuer la luminosité. Je sais pas si on peut voir là. Comprenez, je vais vous expliquer tout ça ce matin. Profitez pour partager la vidéo. Voilà, on demande par exemple 600, je sais pas si vous voyez, c'est pas grave, je vais lire pour vous. Francine, Oui. tu fais doucement avec le balai, s'il te plaît, ma Ok. chère. Merci beaucoup. Tu as déjeuné? Oui, j'ai fini. Tu as profité pour manger? Oui, Ok, j'ai c'est fini. bon. Donc, c'est ça. Donc, on demande 600 professionnels de la professionnels de santé au Québec. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, c'est sur le site du gouvernement. C'est pas l'impacteuse qui a imaginé pour venir donner où j'ai vu quelqu'un qui me dit n'importe quoi. Ça dit souvent quand vous voulez parler aux gens, vous lancez déjà des premiers petits mots, ça fait que on regarde et puis on dit choses. C'est pas moi. Vous comprenez? Voilà, il veut l'avoir. Malheureusement, comme je l'ai dit, merci grande sœur Ben Boané pour ta position ici. C'est ça. Crème de crème, ils veulent d'abord même l'intellectualisme. Ils veulent le côté intellectuel d'abord. J'ai toujours dit que quand il y a le côté intellectuel, ça fait une différence dans une société. Parce que quelqu'un qui est allé à l'école quand même un peu, à un moment donné de la vie, oui, l'intelligence n'a rien à voir à aller à l'école, mais à un moment donné de la vie, la différence va se faire. Pendant ce temps, on va prendre tout le monde. Bref, j'ai toujours dit l'immigration au Canada est sélective. Ça, c'est clair. Et puis, ça ne chauffe pas. Donc, ils demandent dans les 600 professionnels de la santé, il y a des préposés aux bénéficiaires, il y a des sages-femmes, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières. Ça, c'est déjà le premier élément. Maintenant, tu es professionnel de la santé. On sait que tu es professionnel de la santé. Tu as ton diplôme. Tu travailles dans une clinique quelque part. Oui, mais si tu ne travailles pas dans le gouvernement, que tu travailles dans une clinique où tu es reconnu que tu travailles. Oui, ce n'est pas le gouvernement seulement qui travaille. Ça, je l'ai déjà précisé. Mais il faut que tu aies eu le bac. On veut le diplôme académique. Ce n'est pas l'impacteuse qui le dit. Voilà dans les conditions ici. Il faut avoir 42 ans et moins. Il faut avoir le bac. Le BT ou le BTS. BT, c'est le brevet, je pense, technicien, quelque chose comme ça. Hein? Voilà. BT, là, c'est le bac professionnel, quelque chose comme ça, si je ne raconte pas des bêtises. Hein? Et puis le BTS, c'est le brevet technicien supérieur. Voici les conditions. Être en bonne santé physique et intellectuelle. Donc, si tu es infirmière, que tu as le bac, que tu as 42 ans et moins, c'est fine. Si tu as ton diplôme d'aide-soignante et que tu avais eu ton bac il y a longtemps,
tu réponds aux conditions si tu as 42 ans et moins. Donc, voici ça, c'est de ça qu'il s'agit. Hier, quand je faisais la vidéo, je crois que c'est à cause de cette information même, je suis sortie ce matin. Quand je faisais la vidéo hier, j'ai dit les inscriptions prennent fin le 31 décembre. C'était une erreur de ma part. Dès que mon collaborateur a vu la vidéo, il m'a rejoint. Il a dit, non Monique, tu t'es trompée. C'est plutôt le 30 octobre 2021. Donc, ça veut dire que vous qui vous êtes déjà inscrit, qui avez déposé vos dossiers, c'est bien. 31 octobre 2021, c'est là que ça s'arrête parce que c'est à partir de décembre déjà, les sélections vont commencer. Donc, ce n'est pas en décembre, c'est plutôt le 30 octobre 2021 que vous continuez les... C'est à partir de là que finissent les inscriptions. Si vous voulez vous donner une chance, bien évidemment, d'être sélectionné. Dans la sélection, quoi qu'on dise là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dedans. Voilà, chacun a sa chance dedans. Dans tous les cas, il vaut mieux essayer. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de contrat de travail. Si aujourd'hui tu es inscrit tout de suite, que demain, nous on a des contrats de travail, ben tout de suite, nous on va vous rejoindre. D'ailleurs, même avant, quand je vous donne l'information là, l'information du contrat de travail, je vous la donne. Je vous dis, au cas où on a des contrats de travail, on va vous proposer. Parce que quoi qu'on dise là, les contrats de travail, ça coûte plus cher que cette procédure-là. Je l'ai déjà dit, et ceux avec lesquels j'ai parlé, déjà, ils ont déjà l'information. Oh, Amounia, qui a dit ça là? Elvis Dogbalam, comment va? Merci beaucoup, merci. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez pouvoir vous inscrire, quand vous allez rentrer en contact, oui, je vois que j'ai beaucoup de messages, c'est correct, je vais vous répondre. Je vais finir par vous répondre tous. Voilà. Maintenant, quand vous allez finir, quand je vais vous répondre, je vais vous expliquer, c'est là que vous rentrez en contact avec la dame Abidjan. Voilà. La dame Abidjan, je vous ai dit que elle est juste notre représentante là-bas. Donc, les affaires où on a fini de vous expliquer ici, et puis vous voulez encore que la bonne dame qui est là-bas va prendre son temps, elle, ce n'est pas son rôle. Son rôle là, elle, c'est juste pour le volet pour lequel vous êtes parti la voir, c'est juste pour ça. Donc, les affaires de... Est-ce que c'est tant, est-ce que c'est ça? Elle n'est pas capable de répondre à vos questions là-bas. Si vous avez des questions ici, vous me les posez. Merci beaucoup, tu as partagé. Merci. Puis malheureusement, les vidéos sur l'immigration, ça dit, elles se partagent peu, mais c'est là que j'ai beaucoup de préoccupations. Les gens viennent, ça dit, les vidéos sont là, mais on vient toujours pour me demander. Vous comprenez? Donc, les conditions de base là, c'est ça. Il faut avoir le bac, c'est ce que l'immigration exige. Il faut avoir le bac, le BTS ou le BT. Donc, ce que j'ai appris au Burkina, vous avez que le BTS, que le BEPC, et puis vous êtes infirmière, vous ne répondez pas aux critères. Donc, si tu es aide-soignante, que tu n'as pas le bac, ce n'est pas la peine d'écrire même à l'impacteuse, parce que selon la condition qui est exigée ici, tu ne réponds pas. Vous comprenez? Et contrairement aux autres trucs dont j'avais parlé, comme le contrat de travail, où on exige que deux personnes, ici, quelle que soit la taille de la famille, ça va être le même montant. Alors que du côté des contrats, c'est juste monsieur, madame et deux enfants. Si tu en as trois, vous qui êtes dedans, vous savez, si tu as trois enfants, tu as quatre enfants, ben, y a une autre marge financière qui s'ajoute dessus. Alors que dans ce cas-là, c'est pas ça. Dans ce cas-là, même si tu as 10 enfants, le montant qu'on t'a dit dans le kit, là, c'est ça. Donc, celui-là, il est quand même intéressant. Et puis, on n'a pas voulu faire, l'avocat n'a pas voulu faire comme les autres films, aujourd'hui, tout le monde s'élève, chacun s'élève, il fait son immigration, hein, c'est pas question de film, là. Mais c'est à vous de vous assurer que la structure avec laquelle je travaille là, est-ce que c'est vraiment une structure reconnue? Lui n'a pas voulu, où tu rentres tout de suite dans le bureau, on va te dire de payer 1 million, 2 millions, tout de suite, on va te dire de payer un gros montant. Lui n'a pas voulu faire ça. Lui, il est parti du fait que tu vas commencer vraiment à rentrer dans le processus, vraiment, vraiment, que lorsque tu es sélectionné, vous qui êtes rentré en contact, c'est ce que je vous ai dit. Oui, c'est vrai, on va fournir tes dossiers, on va t'inscrire tout et tout, c'est pas Bella. On n'est pas ici pour faire du Bella, là. Quand il dit Bella, du gratuit, il n'y a pas gratuit, le pas de gratuit est mort, vous savez ça, vous comprenez? Mais
Le montant qu'on demande quand même là, il est quand même raisonnable pour qu'on puisse t'inscrire tout et tout. Et puis, on va t'expliquer certaines choses. Oh que oui, oui, oui. Les informations dans la vie d'aujourd'hui sont très importantes. Parce que quelqu'un, tu n'avais pas informé, tu t'es rentré dans un gros trou. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vais vous parler, je vais vous expliquer tout ça. Maintenant, il y a une question qui me revient et je vais le dire 1000 fois dans mes vidéos. Quelle est la garantie? Moi, l'impacteuse assise ici, je ne peux... Comment voulez-vous que je vous donne une garantie dans une affaire d'immigration? Regardez des gens aujourd'hui, dans l'affaire de COVID. J'ai mon petit aujourd'hui, il a déposé les passeports à Dakar. Les passeports sont à Dakar depuis près de 7 mois. Il a tout fait, tout. La biométrie, tout, bilan médical, tout est fine. Les passeports sont à Dakar. Bon, une famille comme ça, on va te donner une garantie. Je ne travaille pas là-bas pour vous donner des garanties. Je vous ai dit, comme je vous le dis, du début jusqu'à la fin, moi j'ai une obligation de moyens vis-à-vis de vous. Quand par exemple, vous venez et puis je vous dis, bon, on voit que, oui, ta femme et toi, vous êtes mariés, vous vivez ensemble, vous êtes en conjoint de fait, oui. Dans un dossier d'immigration, on prend derrière un conjoint de fait, ce n'est pas un problème. Même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez embarquer. Mais si l'agent de l'immigration vient te demander et t'envoie un papier pour nous dire, donne-nous la preuve que vous vivez ensemble depuis un an, donnez-nous la preuve que vous êtes vraiment des conjoints de fait. Mais si je n'ai pas attiré ton attention sur cet aspect-là, et puis maintenant on te demande, mais donnez une preuve là, c'est pas oui dans la bouche, on vit ensemble. Il faut donner la preuve que vous vivez ensemble vraiment. Pour donner cette preuve-là, il faut que les factures portent le nom de madame aussi. Il faut que peut-être vous ayez un compte conjoint. Mais en Afrique là-bas, est-ce que vous les hommes, vous donnez compte conjoint avec les femmes là-bas? Même petit salaire, même pour voir le bout de feuille de salaire là, c'est problème. Donc c'est pas dans compte conjoint, vous allez vous mettre là. Partie de CIE, il n'y a pas souvent le nom de la femme dessus. Ceux dessus aussi, il n'y a pas son nom dessus. Donc moi, comme ça, là, quand vous rentrez, je peux dire, pour essayer de rendre votre dossier d'immigration clair, limpide, clean, on peut vous conseiller, mariez-vous, étant donné que vous avez des enfants, vous vivez ensemble. Si vous êtes marié, il n'y a pas question de démontrer la preuve que vous êtes conjoint de fait. Ça, c'est une obligation de moyens que je vous ai donnée. Mais le résultat final, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable. Immigrer au Canada, c'est un privilège. Ça y est, dans les clauses de l'immigration au Canada. Immigrer au Canada, c'est un privilège. Ce n'est pas une obligation. Et les agents de l'immigration sont autonomes jusqu'au dernier moment. Ça dit, l'agent peut regarder ton dossier comme ça. Et puis pour rien, si lui veut, il te donne. Si lui veut, il te donne. Mais souvent même, il ne te donne pas. Souvent, malheureusement, regarde dans les dossiers d'étudiants étrangers. Quel est l'argument qu'on trouve aujourd'hui? Non, si tu viens, tu ne vas pas repartir. Ça, c'est un argument, c'est le classique aujourd'hui. Tu as toutes les informations, tu as tout rempli, tout. Tu arrives au visa, voici une information pour laquelle on rejette ton dossier. Donc, comment voulez-vous que nous, on vous donne des garanties dans un dossier d'immigration? Là où on vous donne les garanties, vous pouvez aller là-bas. Mais ici, là, que ce soit moi, que ce soit M. Maradji, que ce soit l'avocat ou bien mon collaborateur direct, il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner des garanties. Je ne peux pas vous donner des garanties. Ça, c'est clair. Si vous avez compris ça, c'est déjà bon. Mais on va vous expliquer. Si vous avez du flou dans la tête, vous ne comprenez pas quelque chose, on est toujours disponible pour répondre à vos préoccupations. Ceux qui ont embarqué dans le contrat, Yukoyodi m'envoie. D'ailleurs, même ceux qui ont embarqué dans le contrat, je les ai mis, j'ai mis des noms. Donc, dès que je vois un message qui m'envoie net automatiquement, je réponds à leurs préoccupations. Donc, les affaires où on vous donne les garanties là, c'est vraiment, c'est pas à faire, vous comprenez, voilà, c'est pas à faire, arrêtez avec affaire de, si vous me demandez une structure comme Desti chez M. Maradji, ou bien tant, chez l'avocat ici, on fait les comptes, si vous me demandez quel est le pourcentage de réussite, oui, fine, ça j'ai une obligation de vous dire, ben l'entrée express, voici le pourcentage de réussite, ou bien le volet étudiant étranger, voici le pourcentage de réussite. Ou bien, on n'a qu'à aller plutôt dans pourcentage de réussite. Il ne faut pas aller dans l'affaire de comment ça garantit. Mais j'ai récemment discuté avec M. Maradji, il y a 2 semaines, on en parlait. Il a dit, ça fait pitié parce que là-bas, on vous a fait miroiter.
Vous rentrez tout de suite, on dit donc, paye 2 millions, paye 3 millions, paye tel montant. Et puis, on va accélérer ton dossier. Comment un agent, quelqu'un qui traite, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les affaires d'immigration, peut vous dire accélérer? Accélérer, là, c'est quoi? C'est son frère ou c'est son père qui est dans les bureaux d'immigration là pour dire qu'il va accélérer votre... Mais c'est les choses comme ça, vous aimez. Ou on vous ment, ou on vous fait miroiter. Ou on vous... C'est comme d'autres... L'impacté, moi, il y avait quelque chose qui est chap-chap, quelque chose qui est vite-vite. C'est les choses comme ça, là. C'est ça. Immigrer au Canada n'a jamais été du jeu. Immigrer au Canada n'a jamais été quelque chose de tout près ici, quelque chose de rapide. Vous comprenez? Mon mari, comment vas-tu? Francis Djebi. Le seul homme qui m'a honoré devant ma famille. Tu vas bien? Vous comprenez? Les choses vite, mais M. Magadi le dit, ben si c'est à ça qu'ils s'attendent là, ben je suis désolé. Moi, je suis passé à Abidjan, je leur ai donné les informations là-bas. Ben s'ils s'attendent à ce que je fasse des miracles pour eux, non, je n'ai pas de miracle à faire pour quelqu'un. Donc, c'est aussi clair que ça. Monsieur Magadi rentre demain, par exemple. Oui, ça, c'est une information aussi que je vous donne. Profitez pour partager. Pour ceux qui veulent rencontrer Monsieur Magadi, rencontrer Monsieur Magadi, ça fait une différence dans votre façon de voir les affaires d'immigration. Parce que Monsieur Magadi, il a du bagou, il a un bagage intellectuel et puis il a du vécu dans les affaires d'immigration. Vous tous qui avez rencontré Monsieur Magadi, ceux qui ont rencontré Monsieur Magadi, jusqu'à aujourd'hui, ils chantent le nom de Monsieur Magadi. Vraiment, c'est quelqu'un qui est honnête. Ah, si c'est honnêteté seulement, il va te dire. Il vient à Abidjan. Donc, pour ceux qui veulent le rencontrer, ben, laissez-moi aussi un message sur mon numéro. Pour quelqu'un qui connaît mon numéro de choses, là, la personne peut mettre ça. Mon numéro WhatsApp, là, la personne peut mettre ça là. Ce qui est là, là, ça, c'est mon numéro pour les vivre. Donc, si ce téléphone-là sonne là, c'est affaire de l'impacteuse. Je vais faire ma commande. C'est pas affaire de, oh, l'impacteuse. Je vais, non. Donc, je regarde. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il vient à Abidjan, demain, samedi. Oui, il quitte Montréal demain pour Abidjan. Vous voulez le rencontrer, il va vous expliquer les affaires de l'entrée express, les affaires de Arima, les affaires de temps en temps. Tout, il va tout vous expliquer. Il est très... En tout cas, ceux qui ont rencontré M. Magadi n'ont pas été déçus. Ils ont dit, Monique, au moins là, je sais qu'avec lui, je n'ai pas de... Comment on appelle ça? C'est plus flou dans ma tête, l'affaire de l'immigration. Mais n'oubliez pas, les 600 employés professionnels de la santé, donnez-vous une chance. Tu peux t'imaginer, tu t'es mis dedans, t'as sélectionné. Dès qu'on t'a sélectionné, là, c'est fini. Ouais. Si tu es sélectionné, c'est fini. Maintenant, vous aussi, qui êtes dans les contrats, il y a une question que vous m'aviez posée à laquelle je vais profiter pour répondre. Vous avez dit, oui, l'impacteuse, pourquoi déjà on ne crée pas notre profil dans Arima? Mais Arima, vous savez que ça expire. Donc, quand les contrats, dès que les contrats sont validés, le gouvernement a déjà validé ces contrats-là, automatiquement, pour vous inscrire dans Arima, est-ce que ça prend tant de temps? Mais quand vous êtes déjà dans Arima, et puis vous avez le contrat dans Arima, mais pourquoi on vous sélectionne? C'est un mois et demi, maximum 3 mois, parce que vous avez un contrat. Donc, la partie du film où vous dites non, pourquoi on n'a pas encore créé notre profil? Ce n'est pas créer profil qui est problème. On attend, dès que ces contrats-là, on les a déjà validés, c'est fini. Dès que le gouvernement a mis il a étampé son truc de hockey dessus, c'est déjà parti. On vous met dans Arima, en moins de peu de temps déjà, on va vous sélectionner parce que vous avez un contrat. Quand tu as un contrat, ça dit que tu as une offre d'emploi. On sait que dans Arima, on sait que le gouvernement a besoin de toi. C'est pour ça que je vous dis, si ça vous intéresse, quand vous vous inscrivez comme ça dans les 600 professionnels, automatiquement, on cherche une date de test de français. On ne peut pas immigrer au Québec aujourd'hui. Ceux qui ne font pas les tests de français aujourd'hui, peut-être pour immigrer au Québec, peut-être ce sont les étudiants. Sinon, une procédure d'immigration, de choses, il faut un test de français. Vous venez toujours l'impacter. Est-ce que je vais passer le test? Tu vas passer le test. Il y a test de français, absolument. Donc, c'est ça qui est la vérité, tout ce que je vous dis. On vient travailler, les métiers qu'on écrit ici, là, c'est le métier que j'ai vu écrit, donc j'ai répété le mot. Les métiers qu'on fait ici, très souvent, n'ont absolument rien à voir avec les diplômes qu'on nous demande. Mais ils nous demandent toujours le bac. Voilà. Ils nous demandent le bac. Maintenant, il y a quelques personnes de métier qui viennent, comment on appelle ça? Mais on se pose cette question. Quand je suis arrivé ici, là, vous comprenez? Quand je suis arrivé ici, c'était comme ça. J'ai dit, mais donc tous ces diplômes qu'on nous a demandé là, on t'a dit non, pour faire tel travail, il faut secondaire 5. Pour faire tant de temps, j'ai dit, mais donc on a besoin de secondaire 5 et puis on nous exigeait des diplômes là-bas. Oh que oui.
Ils veulent garder le côté intellectuel. Ça fait la différence dans les sociétés. Regardez ce à quoi on assiste partout. N'importe qui grande, n'importe qui. Quand tu n'as pas, c'est-à-dire le petit côté intellectuel là, le côté du civisme là va te fatiguer. Pas, il y a le côté villageois qui va tout rester en toi. Tu n'es pas arrivé, nous, à l'école, tu n'es pas allé à l'école. On te parle de ça, tu minimises tout. Tu banalises tout ce qu'on te dit. Parce que tu n'es pas arrivé, nous, à l'école, ou bien tu n'es même pas allé à l'école pour avoir le discernement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, immigrer au Canada, c'est ça. On ne vient pas pour travailler forcément le travail du bac, mais c'est ça. Si vous avez compris cette information-là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez cette petite vidéo-là. C'est ce que je voulais vous dire. Je continue de répondre à vos messages. Je vais finir par vous répondre. Voilà. Mais sachez que c'est le bac d'abord. Donc, si tu es... Cette information est très importante, surtout les aides-soignantes. Vous m'envoyez, vous êtes nombreux même que les autres professionnels de la santé. Je sais que là-bas, vous faites beaucoup la formation d'aide-soignante. Oui, si tu as la formation d'aide-soignante, il faut avoir le travail. Et immigrer au Canada, surtout au Québec, c'est d'abord un an de travail. Il faut que tu aies travaillé un an chez un employeur bien, qui est capable. Oui, quand je dis un employeur, bon, c'est pas comme dans les. Oui, c'est ça l'avantage aussi des contrats de travail. Les contrats de travail là-bas, bon, on voulait effectivement que tu as travaillé chez un employeur qui peut écrire une lettre. Mais cette fois-ci là, on veut vraiment quelque part où tu travailles, un endroit bien. Où tu travailles, qui a lui aussi ces documents qui sont reconnus. Ah oui, je travaille, mais tu travailles, mais la clinique où tu travailles n'est pas reconnue, rien. Tout ça, non. Il vous faut, si vous travaillez quelque part, même si c'est au privé, il faut que l'employeur soit capable de vous fournir des papiers en bonne et due forme qui prouvent que vous travaillez là depuis un an. Parce que vous venez pour travailler avec les personnes vulnérables. Oh que oui, cette précision est importante. J'ai vu des médecins qui sont entrés en contact avec moi. Tout de suite, je vous précise, tu es un docteur là-bas, tu es un médecin, tu es un grand médecin, chef d'État de quoi, quoi, des départements de quoi là-bas. Ce n'est pas pour venir faire le travail des médecins tout de suite. On a besoin de vous pour venir travailler avec les populations, les populations vulnérables, les usagers qui sont vulnérables, pour être préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires, ça veut dire que tu fais tout, sauf piquer pucu, sauf t'occuper d'une plaie, sauf tant, 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 sauf de, en tout cas, sauf. L'acte médical, tu ne fais pas ça. Tu viens t'occuper de leur donner à manger, les faire marcher, les laver, bref, le contact direct avec le patient. Maintenant, si vous êtes des infirmières, que vous êtes là-bas, vous venez très souvent. Le Canada est un pays très organisé. On ne maintient pas quelqu'un dans un contrat de 2 ans ou bien tant, tant, tant. Quand le gouvernement vous sélectionne, et puis vous venez là, c'est un an. Quand vous travaillez dans le coin, que maintenant vous voyez que bon, je suis infirmière, je ne vais pas rester dans le préposé. Puisque tu as déjà ton diplôme d'infirmière à la base, donc tu peux aller faire une formation de 10 mois. La loi, le gouvernement du Québec permet que tu ailles faire ta formation de 10 mois. Après ça, tu deviens CEPI. CEPI, bon, quelque chose de stagiaire dans le domaine. CEPI, quand tu deviens CEPI, ça veut dire que tu as fini. Maintenant, tu travailles un peu sur les départements. Après, tu passes ton test d'infirmière. Quand tu as eu le test d'infirmière, tu deviens infirmière plein. Ça, c'est pour ceux qui viennent de l'Afrique. Mais ceux qui viennent de la France, tant en temps, ou bien France, Belgique, quand vous êtes infirmière, je crois que vous, c'est une petite formation de quelques mois. Et puis, bon, vous embarquez dedans. Parce que souvent, ce n'est pas les mêmes thèmes. Donc, on essaie de vous mettre. En tout cas, ceux qui viennent de l'Europe, qui rentrent au Canada, qui rentrent au Québec, eux, ils sont plus avantagés que vous qui quittez en Europe, qui quittez en Afrique. Donc, il y a toujours un avantage. Mais ce n'est pas pour devenir infirmière. Tout de suite où tu es arrivé au Canada. Tu as fait formation d'abord de 10 mois. Monsieur le docteur, madame la doctoresse, ce n'est pas pour venir être docteur tout de suite. L'affaire dont je suis en train de parler là, c'est pour nettoyer les patients. On les nettoie. Quand il dit nettoyer, je veux respecter leur dignité. Donc, il y a des mots que je ne veux pas dire ici. Les nettoyer, c'est de haut en bas pour que le patient soit propre, pour que tu t'occupes de lui. C'est ça. C'est la même chose. Quand nous tous on est malades, on s'occupe de nous à l'hôpital. Donc, ce n'est pas un métier dégradant. Vraiment, chapeau à tous ceux qui prennent soin des malades à l'hôpital. Il faut être malade pour connaître la valeur. Ou bien, il faut être en position de vulnérabilité. Même opérer, même là. Petit geste, tu ne peux pas faire. Les gens viennent, ils sont obligés de te nettoyer. Donc, on n'a qu'à respecter toutes sortes de métiers. C'est en Afrique qu'on méprise tout ça. Malheureusement, ici, en Occident, on ne méprise aucun travail. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous venez là, c'est pour vous occuper des patients vulnérables. C'était ça, en quelque sorte, que j'avais à vous donner comme information. Je crois que j'ai tout dit. Partagez la petite vidéo. N'oubliez pas,
Oh, Bettine Payet, comment va? Lydie Kouassi, vous allez bien? Bon matin à vous. Doura Diallo, vous allez bien? C'est pas facile. Merci beaucoup pour le pagne. Continuez de payer le pagne à Abidjan. Merci. Je suis contente de l'engouement. On m'a dit que le pagne, vraiment, ça roule tout et tout. Oui, c'est sûr que quand je fais pas la promotion, ça tombe un peu dans la tranquillité. Mais tout ça, je vais relancer. Mais pour le moment, n'oubliez pas les escargots de ça. Escargots, là, c'est affaire de goût, affaire de temps. En tout cas, ce qui est sûr, ceux qui ont payé escargots, là, ils m'ont dit l'impact, ce qui est sûr, le goût est là. Si le goût est là, c'est l'essentiel. Ah. On cherche le goût. Ici, là, tu n'as pas gagné un escargot gros, gros, comme dans mon champ là-bas. Ah, mon gros gris, on n'est pas au village. Donc, c'est ça qui est là, le placali de ça. Placali, là, ça s'appelle aller-retour. Bien expliqué. Ah, Kayla Woods, merci, tu as bien compris. C'est ça. Les affaires d'immigration, en tout cas, Monsieur Maradi m'a bien formé. Il m'a formé sur affaires d'immigration, là. Le plat, là, de ça. Et le plat, là, que j'ai cuisiné, puis le roi a apprécié, c'est ça qui est là. La graine pilée, 3 dollars. Plat, là, placali, graine pilée, c'est 3 dollars, 3 dollars, 3 dollars. C'est l'escargot qui coûte 18 dollars. Le câblet. Il y a mon frère Benita, il m'a dit, tu as vite montré tes produits. Le câblet, c'est ça qui est là. Voyez-vous, c'est un épice. On a nos bonnes épices chez nous là-bas. Je dis qu'on a tout là-bas. C'est juste qu'on n'est pas organisé. Qui m'a dit de ça? Donc, c'est ça. Voilà. On ne peut pas mentir à quelqu'un ici. Tu vas mentir. J'ai dit que je tiens à ma citoyenneté canadienne. Ça, c'est clair. C'est pour ça que quand il parle des choses d'immigration, je dis la vérité. Maintenant, au moins là, tu as le consentement bien éclairé. Et puis, si tu veux, tu t'embarques. Si tu veux, tu laisses. Voilà. Je n'ai pas menti pour dire, oh, comme a dit M. Maradji, ben écoute, hein, Monique, nous sommes des Canadiens là. Tu me vois en train d'aller raconter des bobards aux gens là-bas. Et puis, demain, et puis, ils battent de ta crédibilité. Oui, c'est vrai, moi, je suis en arrière. Mais toi, tu es en avant. J'ai dit, ah, c'est ça, hein. Donc, quand d'autres savent, non, M. Maradji, si tu ne peux pas faire ça, M. Maradji a dit, non, je ne suis pas à l'immigration. Je ne suis pas à l'immigration. Voilà. Donc, si je ne suis pas à l'immigration, c'est la vérité qui est là. On vous a dit d'autres choses là-bas. On vous a dit ce que vous vouliez entendre. Bon, malheureusement, avec l'Africain, c'est ce qu'il veut entendre là qui donne le succès. Si tout le suite là, j'avais dit que tout le monde peut immigrer au Canada. Depuis le début, je disais que tout le monde peut immigrer au Canada de façon. Aïe, on était déjà combien sur le direct? Mais je ne peux pas dire ça. Je vais dire ce qui est la vérité. Hein? C'est la vérité qui est meilleure. Le reste là, ce n'est pas bon. Le mensonge, ce n'est pas une bonne chose. Donc, n'oubliez pas, je vais répondre à vos messages, tout et tout. Et puis, je vais vous expliquer. Sachez que dès qu'il y a des contrats, vous serez informés. Contrats seulement là, vous serez très informés. Je vois que vous m'envoyez les messages, l'impacteuse. Les contrats, c'est 46 ans. Et puis, je vais dépasser 46 ans maintenant. J'ai dit, oui, je comprends, mais j'en ai pas. Je peux pas venir faire la publicité de quelque chose que je n'ai pas. Vous comprenez? Donc, partagez le direct, entre ce direct-là, entre vous. Entre les amis, dans les groupes, ça peut aider. Sur ce, je vous aime. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commander. Commandez vos vivres. Et puis bon, je viens vous livrer ce week-end à Montréal. Habitants de Gatineau, comme j'ai commencé au début de la vidéo, vos commandes, dès que je reçois tous les vivres, vos commandes, je vais prendre ça. Et puis je descends sur Gatineau. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.